Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau projet PAN, le 2024, et le bilan du 2023. Donc, pour rappel, en 2023, j'étais partie sur 23 produits pour 2023. Donc, j'avais fait une liste de 23 produits, dont une ligne où c'était consacrée aux miniatures, donc au final, il y en avait un peu plus. Et chaque fois que je finissais un produit, j'en rajoutais. Donc, j'ai fait un petit bilan de ce que j'ai fini en produits. J'ai rentré dans le projet 31 produits et j'en ai fini 14, donc je suis assez fière de moi. Et en miniature, sur celles que j'avais notées, parce qu'au fur et à mesure il y en a qui sont rentrées, que je vais vous présenter et qui, voilà, qui sont finies peut-être en plus. Mais sur les 32 miniatures que j'avais à la fin, lors de mon deuxième update, que je vous mettrai par ici, j'étais donc à 32 miniatures et sur les 32 j'en ai fini 25. Donc plus celles qui se sont rajoutées, parce que c'est vrai que quand j'utilise une miniature, des fois, vu qu'il y a un laps de temps assez long entre deux projets PAN, il y a des miniatures qui se rajoutent et qui sont terminées, alors que vous ne les avez même pas vues en tant que produit avant qu'elles soient terminées. Je ne sais pas si je suis claire. Donc sur ce, j'avais ce que j'ai pas... voilà. J'avais le fond de teint poudre Kiko, je ne sais pas si je l'ai gardé. Oui, je l'ai gardé, il est là. Donc ça c'était par rapport au produit, à la liste des produits 2023. Donc celui-là, il a été terminé. Voilà, c'était ce fond de teint là. Alors, s'il y a effectivement un petit liseré autour, parce qu'il y a des parties que j'ai pas pu récupérer. C'est comme ça. Ensuite, il y avait ça qui va rester dans le projet, c'est les météorites de Garlin. Alors, je vous les montre en essayant de ne pas les faire tomber, qui ont quand même diminué, parce que je les ai utilisés un petit peu plus. Mais bon, il en reste encore plus de la moitié. C'est un bon produit que j'aime beaucoup et que je continue à utiliser ponctuellement parce que c'est vrai que c'est pas celui que je tourne en priorité. Ensuite, de chez Essence, je l'avais normalement. J'ai le souvenir de l'avoir mis dans mon sac. Le voilà. Mon petit gel tint que je n'ai pas encore terminé. Donc voilà. Il y avait également ce petit rouge à lèvres Urban Decay, le Vice, qui est toujours pas terminé non plus, mais qui est bientôt sec. Il y avait tout un produit que j'ai terminé, donc le gloss Tartelist. Donc ça, vous le verrez dans les produits de maquillage de l'année. Ensuite, mon highlighter de la palette Rockstar de The Balm, qui n'est pas terminé. L'highlighter Sin de chez Urban Decay qui s'est bien creusé, que je porte aujourd'hui mais qui est toujours pas terminé. J'avais également le gloss Venom de chez Madara. Alors il en reste un fond mais je peux plus l'attraper. J'ai essayé en retournant etc, donc lui il est terminé. Il m'a fallu un petit moment. Je crois que j'ai essayé de compter à peu près le nombre d'utilisations. Je vais être à 170 utilisations pour le terminer. Ensuite, il y a un mascara ABH, c'était celui-ci. Bon, celui-là, malheureusement, j'ai dû le jeter parce que suite à ma conjonctivite, donc j'ai préféré le jeter puisque sinon c'était un vecteur de contamination. Un que je n'aime pas et qui n'est pas terminé, c'est mon eyeliner Boho, que je continue désespérément d'essayer de terminer, mais c'est vrai que je ne mets pas souvent d'eyeliner le matin, j'ai pas trop le temps de le faire. Tout que l'anti-cerne Nacella qui est ici, donc qui est terminé. Donc celui-là il avait déjà été montré. Alors j'ai les deux chromiums de Natasha Denona qui ne sont toujours pas terminés, donc que je continue à utiliser. Le contour stick d'ABH qui est comme ceci. Il en reste plus beaucoup, vous voyez. Je sais pas si vous verrez. Il en reste vraiment très peu, mais il n'est pas encore terminé. Il va falloir que je récupère là-dedans. J'avais mon paint pot de MAC qui lui s'est terminé. C'est un très bon produit, ça j'adore. Hop, le soin blancheur qui est enfin terminé. Non. Il y a beaucoup de produits qui sont terminés, j'en dis rien parce que j'ai pas forcément aimé. Et puis vous les avez déjà vus dans les vidéos produits terminés, ceux-là normalement. Alors, que je n'ai pas terminé mais qui va être bientôt terminé, c'est de WTN Paris, l'eau de teint. Vous voyez, il en reste vraiment plus beaucoup. Donc je pense que voilà, cette année elle sera fitée. Mon parfum Silky One, mais ça j'ai jeté la boîte. Donc lui c'est terminé. Le sérum de Beauty Bay, celui-là je l'avais gardé. Donc il est terminé également. Lui il va, je vais le mettre directement dans les trucs achetés.
Le soin lissant, donc lui, il n'est pas terminé, mais comme vous voyez, il en reste que ça. Donc ça devrait bientôt se terminer. Hop, ça, ça va dans les produits à garder. Puisqu'il n'est pas fini. Le crayon 1. Ce crayon-là, qui fonctionne bien, qui est encore bien gras, que je taille régulièrement, mais voilà, enfin, il est plus petit que ce qu'il était, mais il est loin d'être terminé. Hop, je passe à la page d'après. Le crayon, lui, il est terminé. Enfin, il a séché. Le crayon Catrice pour les lèvres. Donc, il était bien au début, puis bon, après, il a séché. Donc, il était beaucoup moins bien après. Tac, tac, tac. Alors, en miniature, je vais pas vous les repasser. Celle qui me reste. Bon, le soin 1000 que je l'ai toujours, mais je sais plus où il est, parce que ma fille, elle joue avec. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? J'avais les masques Nocibé. Il est où le Nocibé? Le Nocibé et le Yves Rocher, donc ils sont pas terminés. La base de maquillage de chez Paul & Joe, qui est pas terminée, parce qu'en fait, maintenant, elle est un peu trop foncée pour la saison. Donc, je la remettrai cet été. Le fixateur d'Urban Decay qui lui est terminé, qui était très bien. Ensuite je passe à la page 2 des miniatures. Tout ça c'était terminé. D'ailleurs il y a des miniatures que je peux rajouter, parce que celle-là par exemple elle était terminée, elle n'était pas notée. Qu'est-ce que j'ai terminé comme miniature qui n'était pas notée? Je pense que j'en ai quelques-unes qui n'étaient pas notées. L'Aqua Merveilleuse par exemple, celle-ci est terminée, mais voilà, vous ne l'aviez pas vue. Hop, le peeling galénique, lui n'est pas fini. Ah, j'ai oublié le scrub lavant, mais le scrub lavant de Christophe Robin, il n'est pas fini non plus. Donc il va rester dans les miniatures à terminer. Ensuite, en autre produit, j'ai terminé le Black XS de Paco Rabanne, il est terminé. Donc ça fait deux parfums dans le nez. Le Crystal Eyeshadow de Too Faced, je me suis un peu, quand j'ai rangé dernièrement, j'étais rangée avec les baumes à lèvres, alors qu'en fait c'est une eyeshadow. Du coup, je ne l'ai pas du tout utilisé. Ce qui est un peu dommage. Mon fard roulé MAC, il est bien bien entamé. Puisqu'il est là, vous voyez, on touche largement le pan. La poudre Kiko Toscane Sunshine, oups là, pardon. Elle est là. Attendez, que je vous montre. Voilà, c'était celle-ci. Et... voilà, il reste, ben comme l'autre, il y a un peu les bords qui sont restés, mais à un moment, soit il faut gratter, et pour ce qui reste, je me dis, c'est bon, on peut jeter, on n'est pas obligé de garder ça. Le mascara MAC, il est bientôt fini, je vais bientôt, le mois prochain, je pense que je vais le mettre en produit terminé, parce que même s'il n'est pas tout à fait fini, il commence à sécher, et depuis que j'ai mes conjonctivites, je ne dépasse pas les 6 mois. L'anti-cerne Révolution en teinte C1, il est terminé. Donc voilà, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. J'ai le C2 toujours, mais pour l'instant je l'utilise plus. Le sérum Foray Beauty, je ne sais plus lequel c'était. Attendez que je regarde. Bon, dans tous les cas, il est terminé. Je ne sais pas où il est. Ah ben non, je ne l'ai pas gardé. Je viens de jeter tous les produits terminés que j'avais. Donc bah, il est terminé, mais je ne l'ai pas gardé. Et enfin, le sérum fortifiant pour les cils de WTN Paris. Lui, je l'ai très peu utilisé parce que je l'avais posé à côté de ma salle de bain. Et hop, chaque fois que j'ai la femme de ménage qui passe, je range mes produits dans le tiroir. Et j'avais oublié de le ressortir, donc je ne l'ai pas beaucoup utilisé non plus. Voilà, donc comme je vous disais, en bilan sur les 31 produits que je viens de vous présenter, il y en a 14 de terminés, ce qui est pas trop mal, ça fait à peu près 50%. Et donc aux miniatures, sur celles, voilà, il y en a encore quelques-unes. Voilà, là j'en avais 32, si je rajoute le Nord Expert, il est terminé, mais j'en ai un nouveau. Voilà, ça c'est les miniatures terminées, mais celle-là je l'avais compté. Celle-ci je l'avais compté, celle-ci aussi, le Patika je l'avais compté, l'Hermatologica je l'avais compté. Donc j'enlève les miniatures que j'ai comptées et je rajoute celles que j'ai terminées. Donc on avait dit 32 produits, donc 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Donc au total j'ai 43 miniatures. Donc sur ces 43, donc j'en ai terminé 25 plus...
26 avec le Belif, 27 avec ce gel démaquillant, 28 avec ce Too Faced, 29 avec le gel nettoyant Jonsac, 30 avec le gel douche Yves Rocher, 31 et 32 avec l'émulsion écologique et la crème démaquillante, 33, non celui-là je l'ai compté, 33 avec le nettoyant de chez Olen, écrit Olen Rixen, et 34 avec ce gel douche de la marque Heirloom. Donc 34 miniatures sur 43, c'est vraiment pas mal. Je suis assez contente de ma performance sur cette année parce que j'ai vraiment fini pas mal de miniatures. Donc comme je vous disais, je suis assez fière de moi sur ce projet Pan. J'ai vraiment fini pas mal de produits. Ça permet aussi de vider un peu les placards. Sur les miniatures, là en ce moment j'en ai plus tant que ça parce que c'est vrai que j'en ai pas mal utilisé grâce au projet Pan en disant mais voilà je les ouvre et je les termine. Alors c'est vrai qu'avant, par exemple quand je partais en voyage, je les gardais les miniatures. Maintenant je me dis non mais c'est pas grave, c'est entamé, je le termine parce que je sais pas quand est-ce que je vais repartir, etc. Donc comme ça, ça me permet de tourner assez vite dans les miniatures, mais c'est vrai que du coup je n'en ai plus tant que ça. Après il y a toujours la possibilité de prendre un petit flacon vide et de le remplir avec par exemple votre gel douche ou votre shampoing que vous utilisez habituellement. Donc voilà, on va passer du coup au Project Pan. Je vais reprendre un peu le... vous redonner les produits dans l'ordre. Donc le premier ce sera les météorites, ça je vais continuer à l'utiliser. Le deuxième, le gel lip tint parce qu'il faut que je l'utilise. Celui-ci je le mets encore mais je sais pas, je l'ai pas encore retesté, s'il est trop sec il partira à la poubelle. C'est l'Urban Decay, toujours forcément parce que lui il est dans mes rotations de tous les mois, c'est mon fameux highlighter de la palette Rockstar. Toujours mon highlighter Sin aussi, là il n'y a pas de changement. Mon eyeliner Boho, alors voilà j'essaie de mettre dans mon projet Pan des produits que j'utilise pas tous les jours. Par exemple, là maintenant, la dernière fois j'avais mis mes poudres Kiko, mais en fait c'est des produits que j'utilise tous les jours, donc forcément je vais les terminer. Ça n'a pas besoin de se challenger par un projet Pan. Les produits que j'utilise pas tous les jours, c'est je me dis, ben voilà, s'ils sont dans un projet Pan, je vais essayer de les utiliser un peu plus. Donc l'highlighter Boho, enfin l'eyeliner Boho, les deux chromiums de Natasha Denona, toujours le contour de stick d'ABH, l'eau de teint, mais celle-là elle touche à sa fin. Et par contre ce que je ferai, c'est que je ne rajouterai pas de produits, je vais essayer de ne pas rajouter de produits dans ce projet Pan en fait. Je vais essayer d'en prendre le maximum en début de projet et de ne pas en rajouter. Le soin lissant. Voilà, bon là en ce moment j'ai les cheveux qui sont pas lisses donc. Le crayon une, donc toujours. Les miniatures, je les ferai à la fin. Au niveau, donc eyeshadow, le Too Faced. Le fard brûlé MAC qui est dans que je vous ai montré tout à l'heure. Mon mascara MAC. Voilà, mais bon les mascaras c'est pareil, c'est des produits que j'utilise, là c'est parce qu'il est dans le projet mais c'est pas un produit que je vais me challenger à utiliser puisque quand je me maquille j'utilise forcément le mascara. Et le fameux sérum fortifiant pour les cils. Donc ensuite je vais quand même rajouter un produit, c'est ce produit là que j'utilise pas assez, c'est le Kiss and Tell, c'est un masque pour les lèvres de chez Colourpop. Donc en fait ce sont des masques, c'est une boîte dans laquelle il y a des petits masques donc on prend et qu'on colle sur les lèvres. Et on attend 10-15 minutes et ensuite on les enlève et c'est censé repulper, etc. Donc ils sont bien mais je les utilise pas assez, j'y pense pas assez, donc c'est pour ça que je mets dans le projet Pan. Donc en miniature on va garder celle que j'ai déjà. Le peeling de chez Galénic, la base de chez Paul & Joe. Ces deux là, les deux masques. Le scrub de chez Christian Romain. Là ils sont montés. Le soin milk aussi que j'ai perdu quelque part, je vais essayer de le retrouver. Le soin blanchissant des dents que j'avais oublié de vous montrer, mais celui-là voilà, qui n'est pas fini. Le scrub lavant, ok, et les nouvelles. Alors, ah non, il y a un nouveau produit, mais je le rajouterai à la fin. Les nouvelles, donc il y a la crème pour les yeux de chez Origine, en miniature, bah forcément. La miniature de Lip Injection de Too Faced. Cette miniature de chez Paille, c'est une huile démaquillante.
cet après-shampoing que j'utilise pas beaucoup, de chez TLW. Ensuite, une lotion en miniature et un autre, le même que je vous avais déjà montré, c'est le Serum Booster de chez NovExpert parce que j'avais en double. Et en produit que je rajoute, c'est le soin ensoleillant progressif de chez Apicia parce que j'arrive pas à l'utiliser, je n'y pense pas. Donc je le rajoute aussi dedans. Voilà donc l'étendue de mon projet PAN pour 2024. Donc j'ai essayé de choisir des produits que j'ai du mal à terminer pour voilà, justement essayer d'en terminer le maximum. Et voilà, je ne mets plus maintenant de produits que de toute façon je vais j'utilise tous les jours et que je vais terminer. Voilà, à part peut-être dans les miniatures, parce que les miniatures c'est à part quoi. L'objectif c'était vraiment d'avoir le moins possible de miniatures. Bon, il m'en reste encore, donc bon, voilà, c'est des produits qui vont se terminer plus vite parce qu'ils sont plus petits. Donc là au moins de les avoir dans le projet, ça permet de les terminer plus rapidement. Voilà, sur ce, ma vidéo Project Pan est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous faites des Project Pan et si vous arrivez à les tenir et combien de produits vous avez fini, par exemple, en 2023. Je suis curieuse de savoir. Et puis, comment vous faites pour ne pas oublier certains produits. Parce que c'est un peu ce qui m'a... Sur certains, c'est un peu ce qui m'a... Où j'ai pas été bonne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!